Je vous propose de revenir 4 ans en arrière. C'était le 22 novembre 2019. C'était entre 4h30 et 5h15 du matin. Je m'étais levé pour l'occasion pour regarder ce live de présentation du Cybertruck. Et 4 ans plus tard, les premières livraisons vont intervenir. Dans quelques jours, là, ce sera le 30 novembre. J'essaierai de faire un live à l'occasion aussi. J'espère que ce ne sera pas des horaires dégueulasses par contre pour chez nous. Mais bon, ça reste à déterminer. Donc voilà, je vous propose cette petite rediff. N'hésitez pas à commenter et dites-moi si vous étiez levé à l'époque pour voir la présentation directe ou pas. Allez, ciao et bon live. Salut tout le monde, allez, on se retrouve donc pour le live numéro 7 comme prévu pour la sortie donc du Tesla Cybertruck, le pick-up de chez Tesla. Donc vous voyez, il y a un lien donc sur tesla.com et la cérémonie commence dans 5 minutes 30. Donc voilà, on va en attendant regarder un petit peu les concepts sur Google Images de ce Tesla Cybertruck. Et on va essayer de voir bah, du coup quel concept s'approchera le plus de la réalité finalement. Alors ça c'est plutôt on va dire un concept pas trop original. Ça ressemble vachement à une Model 3 surélevée quoi. Bon, pour le coup celui-là il est encore pire niveau concept logique, j'ai envie de dire. Alors ça c'est déjà plus poussé niveau originalité. Bon, là pour le coup, celui-là, clairement aussi, une Model 3 surélevée. Alors, ça, je pense pas que ce soit ça du coup. Bah, il y a tellement de designs différents là, pour le coup. Tout le monde s'en est. Tout le monde s'est fait plaisir hein, sur les concepts. Alors, Elon Musk a déclaré que le Tesla Cybertruck a été inspiré de cette Lotus. Intéressant. Donc bon c'est pas trop un pick-up là pour le coup mais alors le Cybertruck aurait un look similaire au rover concept de la NASA bon qui irait sur Mars du coup pourquoi pas on va voir ça tout à l'heure hein, de toute façon il nous reste à attendre un peu moins de 4 minutes maintenant. Je regarde si c'est bien parti le live là, ouais c'est bon. On est déjà deux. Enfin, vous êtes deux du coup. Je vais juste mettre ça comme ça, tac. Faut pas que ça me bouffe du débit. Alors, si vous voulez poser des questions dans le chat, n'hésitez pas surtout. Je suis là pour vous répondre. Ou même venir sur le Discord. Je sais qu'il est 5h du mat, même pas, donc. Il est encore très très tôt, vous devez dormir encore. Vous regarderez sûrement cette vidéo en différé du coup. Et je vous comprends bien. Mais moi j'ai tenu à me lever quand même parce que c'est quand même important. La révélation de ce pick-up Tesla. Alors là par contre celui-là, je pense honnêtement que ça pourrait être un design assez similaire à ça. Vu le liseré, la LED devant et tout. Le pare-brise très incliné comme ça. Je pense que pour le coup, ce design se rapprocherait plus de la réalité de ce fameux pick-up. À vérifier, hein, mais je pense que c'est celui-là qui a le plus de chances du coup d'être le fameux pick-up. Celle-là. Bon, ça fait un peu traditionnel, on va dire. Aussi, donc c'est pas très futuriste, malgré la bande LED sur le devant. Ça c'est quand même assez moche hein, par contre. Waouh. Alors ça c'est la copie chinoise du Cybertruck. Voilà donc. Est-ce qu'il sera basé sur ça? Voilà, j'avais fait une vidéo hein, d'ailleurs de ça sur la chaîne. Il y a cette version là aussi. Bref, il y a tellement de versions différentes au final. Moi, ouais, je pense honnêtement que ce serait plus de ce genre-là. Donc on va voir, hein, de toute façon. Ouais, parce que ouais, ils avaient teasé ça du coup.
C'est un rectangle, regardez ce pick-up. Il y a de ces images là. Ouais, celle-là aussi est pas mal du coup. Bon, combien de temps il reste? Ah, oh, pourquoi ils ont augmenté la durée là? Ah non, hein, je vais pas faire que meubler moi. Non, mais c'est une blague. Ils sont déjà en retard, ça commence bien, j'étais cela. Terrible. Ah, Mélanie est là, cette fois elle a vu qu'il y avait le live. Salut à toi. Salut Jean, TLS3 et Casta83, salut à toi également. Donc pour vous, alors dans le chat, quelle version du Cybertruck vous paraît la plus plausible d'après celle que j'ai vue là? Je pense que celle-là actuellement, là, que j'ai en image, pourrait très bien être celle-là. Hein. C'est quoi ça, le rouge là? Bof, pas terrible celui-là. Ouais, je fais un peu le tour de ce qu'il y a là, mais... Oh, le vert, c'est dégueulasse. Que c'est moche. C'est vraiment moche. Là, on dirait un Model X mode pick-up. Ouais, ça, ouais, c'est... C'est vraiment le design qui me paraît être le plus logique par rapport au teaser. Après, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec l'image teaser hein, qu'il a lancé Elon Musk. Ça se trouve, on aura une surprise de taille. 4 minutes. Ouais, je pense aussi hein, avec la LED, surtout le pare-choc. Je pense que vraiment, on partirait plus sur ça. Hein. Oh là, c'est quoi ce truc là? Pff. Ah, la gueule du machin quoi. Incroyable. Ah, cette version elle est jolie, je trouve. Bon, elle est pas très originale, mais... Elle était efficace cette version-là. Pas mal celui-là aussi du coup. Le nombre de designs différents qu'ils ont inventé les gens quand même. Alors, faut dire qu'avec des mois et des mois de teasing là, il y avait de quoi se faire plaisir. Bon là c'est clairement un Model X version pick-up pour le coup. Le camion. Ça, c'est très cubique, hein. Oh la vache. Bon, ils ont pas augmenté le temps, non? 2 minutes 40. C'est bon. C'est un bateau, oui, c'est ça. VTC Tesla. Heureux. Heureux. Ouais, c'est clairement un bateau, celle qu'on a vu tout à l'heure là. C'est très bizarre quoi. Celle-là aussi. Oh les roues, oh la vache. Pas mal l'arrière de cette version. Ah, ils ont pas augmenté le temps, 1 minute 50, incroyable. On est déjà 7 viewers sur le stream. Tout le monde se demande. Ça se trouve, il y a des Américains sur mon stream et ils vont rien comprendre à ce que je dis.
J'ai bien précisé French stream, hein, donc ne soyez pas surpris de m'entendre parler français, chers Américains. Bref, comme vous voyez, il y a toute une panoplie de versions du pick-up. Hein. Et ça se trouve, le vrai pick-up va être même pas basé sur tout ce qu'ils ont mis là. Allez, moins d'une minute. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs sur le Twitter de Tesla? Donc ils ont bien mis un 8 PM. Vous avez le lien si vous voulez voir par vous-même. Ici, du coup. J'aime bien le style, la police d'écriture là. Ça fait très urbain. Secondes. Salut Lou Labo, matinale, oui. Ah non, non, Mélanie, t'inquiète, j'aurais pas fait le live sinon. Je vais me recoucher après, hein, de toute façon. Clairement, je me suis levé vers 4h20, vers 4h20, du coup, ouais, j'ai bouiné un peu sur YouTube avant. Et du coup, voilà. Alors, 3, 2, 1. Bonne année! Oh putain, c'est une blague! Ah, c'est. Est-ce que c'est bon ou pas là? En direct. Alors, du coup. Ouais, en fait, c'est un lien YouTube quoi. Ils font tout un site et tout, mais. Par contre, on va peut-être augmenter la qualité quand même. Please stand by. D'accord, ouais, je veux bien attendre, mais on va peut-être pas attendre toute la nuit non plus, les gars. Hein. Vous dites 8 heures. Enfin, 8 heures à Los Angeles, donc 5 heures en France. Vous êtes en retard, Tesla. Il y a un problème technique avec ce pick-up, peut-être. Terrible. Go, mort de rire. Ouais, bah là, c'est vraiment mort de rire. Hein. Pour le coup, ils se foutent de notre gueule. Hein. Et on est déjà 14 sur ce stream. Bonne année, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah là là. N'importe quoi, Tesla. Hein. Bon, bah, c'est pas grave, on va attendre. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. En plus, les portes, elles sont ouvertes une heure avant, donc. Bah, ils sont pas prêts, hein, visiblement. Les problèmes techniques. On va aller voir dans l'actualité, du coup. Mais en tout cas, rien n'a fuité, hein. Aucune image, enfin à part le liseré, la LED sur le devant là, mais rien d'autre. Hein. Ils savent bien garder leur secret hein, chez Tesla en tout cas. Ils se sont fait piquer le pick-up. Haha, jeu de mots. C'est vrai, ça se trouve, ils l'ont volé, ouais. Que pensez-vous de l'idée comme quoi deux pick-up seront présents? Seront présentés, pardon. Ouais, peut-être. Peut-être. Peut-être une version long range et une version autonomie plus basse, du coup. Avec des prix différents, évidemment. Ouais, bon, on attend toujours, hein, 5h07 du matin. Très bien, très bien. Merci Tesla en tout cas. Alors pour la petite histoire, j'ai un peu stressé parce que j'avais plus de connexion depuis 21h30 hier soir. Et c'est revenu vers 2h30 du mat. Donc je me suis dit, putain, ça se trouve, je vais pas pouvoir faire le live. Mais c'était assez étrange. Bon. Au final, c'est revenu. Tant mieux, tant mieux. Il y a même un Wikipédia déjà. Alors moi je me demande comment ils vont faire pour positionner ce modèle à 49 000 $ vu l'autonomie quand même. Ça me paraît dingue quoi. Parce qu'on parle de quand même d'autonomie de 650 à 800 km.
plus de 100 kWh de batterie du coup. C'est ouais, c'est incroyable si c'est le cas. Incroyable, ça commence. Ça m'a fait peur le son, putain. Putain. Et oui, 18 maintenant. Je trouve que la modèle 3 SR Plus est une bonne voiture. Bah oui, c'est clair. Deux styles différents, tu penses? Ah ouais, peut-être. Bon, voilà, ça commence donc. On va regarder un peu ce live. Peut-être baisser un peu le son. Je sais pas ce que ça donne niveau son par rapport à ma voix en fait. Ça a l'air d'aller, comme ça. Hop. Oui, c'est c'est un peu stressant. Hein. C'est thème rouge, évidemment, Tesla. Alors, est-ce qu'on va avoir un discours d'Elon Musk avant que le truc soit présenté? Ou avant, ils vont le présenter et puis Elon va faire un discours après. À voir, à voir. En tout cas, là, que de teaser avec des lumières LED qui rappellent évidemment l'image qui avait fuité là. Peut-être un smartphone Tesla. Chanson Terminator, ouais, ça fait penser un peu à ça, ouais, j'avoue. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, ils pourraient tellement vendre des smartphones, c'est ça, c'est pas con comme idée. Avec une autonomie incroyable et tout. Pour concurrencer Apple, pourquoi pas. Ça leur ferait des sous. Bonjour madame. Ce look. Los Angeles, novembre 2019. Les ciels sont pollués. The world is addicted to oil. But we're here to offer a solution. The Cybertruck. The number one mode of transport for a cyber girl. The greatest evolution in vehicular, fashion, and function. I now present to you my creator. Ah, Elon. Je présente le créateur du coup. Mais oui, forcément qu'il va faire un discours avant. Quelle star ce mec quand même. Hey Elon, hey Elon! Oh les fanboys et les fangirls. Welcome to the Cybertruck Unveil. I love you guys too. I love you guys too. Hey. Trucks have been the same for a very long time. Over for, like 100 years, trucks have been basically the same. We want to try something different. Let's show you what trucks have, you see trucks all the time, but as a reminder, what do they look like? Yeah, so. Ah, ça c'est les pick-up ouais, du coup, qui ont été créés. Sorry to, this is a trial. This is a trial. S'entendre la même chose, ouais, c'est un peu ça du coup. So, it's actually hard to tell. It's hard to tell which which is which, really. We took the brands off, but it's hard to tell which is which with brands off. Ils se ressemblent tous. Difficile de dire quel modèle appartient à quel constructeur. And we need sustainable energy now. If we don't,
If we don't have a pickup truck, we can't solve it. The number one selling truck, a vehicle in America, top three selling vehicles in America are pickup trucks. We have to, if to solve sustainable energy, we have to have a pickup truck. So I present to you the Cybertruck. Alors, ça y est. Attention, il arrive. Oh là là, c'est quoi ce truc? C'est triangulaire, c'est trop bizarre. Mais ouais. Mais c'est pas un pick-up ça du coup? Il y a pas la benne à l'arrière. À moins que ça s'enlève les machins. Hein. Ils sont combien là-dedans? Ok, bah du coup. Bon, il a pas mis trop de temps à nous le présenter pour le coup. Doesn't look like anything else. So we'll start off with the size, the dimensions. Ouais, alors dimension, ça donne quoi? And the inspiration. Alors, ah, c'est pas en mètres, fait chier. Fait chier là pour le coup. The functionality I'm going to describe is within a space that is less than the most popular pickup truck in the United States, the F-150. So we didn't cheat in either width, height, or length. And we're able to achieve much greater capability in the same dimensions, same weight. Ah, vous aimez pas trop dans le chat, apparemment, le pick-up. Bonne nuit, VTC, on dirait une DeLorean. We moved the mass to the outside. C'est très cyberpunk. Bah oui, we created an exoskeleton. So normally, the way that a truck is designed, you have a body on frame, you have a bed on frame, and bah, je trouve pas si moche, mais c'est très futuriste, quoi. Don't do anything useful. They're carried like cargo, like a sack of potatoes. It was the way that aircraft used to be designed, when they had biplanes, basically. The key to creating an effective monoplane was moi, je me demande comment ça va faire pour design. Faire 800 km d'autonomie, ça, par contre. Allows you to do things that you can't do with a body on frame. So we're able to make the skin out of thick, ultra hard stainless steel. It's really hard. C'est arrière, quoi. We're going to show you just how hard. Il y a 4 sièges à l'arrière, 3 à l'avant, du coup. 4 ou 5 à l'arrière, d'ailleurs. Ouais, on aimerait bien avoir la version vraiment pick-up, quoi, parce que là c'est pas un pick-up pour le coup. Don't hold back. Okay. Yeah. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? The regular truck door. Go, do it. Ah oui, d'accord, il va essayer de taper dessus. Ouais, ça c'est un pick-up, une porte normale de pick-up en fait. Yeah. D'accord. Yeah, hit it a couple times. You wanna hit it again? Alright. Yeah. Yeah, nice. Now hit the Cybertruck. Et là, il va rien faire. Enfin, il va taper dessus, ça va rien faire du coup. Hit it harder. Incroyable. Yeah. We
really wind up and nail it. Putain, ouais, ils ont. Ça a l'air très résistant au choc, hein. It's pretty strong. Very strong. Et dans les vitres, ça donne quoi? So if you think about like a truck, you want a truck that's tough. You want a truck that's really tough, not fake tough. Oh, limite c'est un blindé, ouais. You want a truck that can take a sledgehammer too. A truck that won't scratch, doesn't dent. What else can we do with this truck? What if we shot it? Let's shoot it. Got OSHA. I mean, come on. So the. Apparemment, il serait pas blindé, mais même quasiment résistant aux balles, quoi. 9mm bullet shot at the door. Shoot it. We're in California, unfortunately. But the 9mm, it is literally bulletproof to a 9mm handgun. That's how strong the skin is. Apparemment, il est résistant aux 9mm. Stainless steel alloy that we've developed. We're going to be using the same alloy in the Starship rocket and in the Cybertruck. Yeah, you're welcome. So on the right, that's like normal truck doors. Like, might as well be made of tissue paper. That looks like a paintball. Very different. So, you know, when you say something's built tough, that's what we mean. What about the glass? Seems oh, like yeah, all right, let's go. Yeah. Metal transparent. Metal glass. Yeah, that's right. let's show some of the tests. What can we do with this? L'autre, il va se ramener encore avec son burin. Hein. Il est tapé dedans. All right. Let's show the glass demo. There you go. So first, this is regular glass. This is like normal glass, car glass. I want to show you what happens with normal car glass. Shatters immediately. With a little ball. Ça, c'est now I'll show you normal, Tesla armor glass. Ça, c'est le truc Tesla. Nothing. Yeah. But it's kind of a small ball though. That's effectivement, ça a l'air très résistant. Do it at a bigger height. With a, yeah. Yeah, so still down there. Avec le Tesla Cybertruck, vous n'aurez plus de bris de glace. C'est bien. C'est toujours ça de gagner. C'est vachement résistant quand même, ouais. Impressionnant. Yeah. Ce serait bien si les smartphones étaient incassables comme ça aussi. Yeah. Ah, vache. Oh my fucking god. Whoa. Well, maybe that was a little too hard. Should we try in the rear? Ah oh bah d'accord, bah alors là du coup. It didn't go through. So that's a plus side. Let's try the rear. Okay. Try that one, really? Okay. Yeah. Sure. Oh man. It didn't go through. Alright. Not bad. Nul. Il est tout à fait cassable en fait. All right. Let's see. So yeah. Shoot it.
We'd actually throw everything. We threw wrenches. We threw everything. We even literally threw the kitchen sink at the glass, and it didn't break. For some weird reason, it broke now. I don't know why. You know, just fix it in post. So, in addition, the car has an adaptive air suspension. It's literally brilliant. Yeah, adaptive air suspension. So, this will come standard on all the cars. I think this is actually a very important design element, because if you have if every truck has the ability to adjust the ride height, so you can go very low or very high, so you can be efficient on the highway, and you can also go off-roading. It's going to have the highest clearance of any production truck, so we're going to have about a 16-inch clearance. You can adjust this on the fly. So it's adaptive damping and adaptive ride height. These are actually extremely important for a truck, because trucks, when you only drive them, they're either too cushy or they're too hard. You need it to be able to adjust dynamically depending upon what the load is. If you've got a lot of people on board, if you've got a full bed in the back, it's got to adjust accordingly. So, yeah. Let's talk about the, we call it the Vault. Cybertruck Vault. So, let's see. Yeah. Let's demo this active. But yeah. So. Alors, ça c'est quoi? The rear is 100 cubic ça, feet. Ça c'est les dimensions du coup. 6.5 foot length, bed length. Up to 35 ils sont pas évidemment avec une dimension européenne, donc difficile de savoir. And can tow. But what about a real world test? Like let's actually have a tug of war here with an F-150. So you can see, you know, we're see which one can pull which. Let's do the tug of war video. Évidemment, le Tesla va gagner, hein. I mean, putain, la vache. Yeah, but it was uphill. La violence. So let's see on road the performance. Zéro à 100 en 10 secondes 9, oui quand même. Impressionnant. Now let's see the. How does this compare to a Porsche 911? Oh là, sérieux. Okay, we're gonna give the Porsche a little bit of a head start. Okay. Yeah, this is a current edition Porsche. This is the actual truck. That this is not CGI. Yeah. In terms of off-road performance, it's going to have the best angular approach angle, best clearance heights, best departure angle. For people that really go off-road, this is going to be great. You can basically do the Baja Rally in this thing. We have three ranges. L'autonomie du coup. On voit pas. 500 miles plus. Ouais. So, yeah. So obviously they'll have access to all the superchargers. Plus de 250 kilowatts en recharge. More than 250 kilowatts. We'll reveal the actual number later. It has onboard outlets for 110 and 120 volts. À l'intérieur de 120 so, volts. You don't need a generator. Yeah. On n'a pas le capable de batterie par contre. Generator. And as a little plus, because it's got an air suspension, we can tap off the air suspension, so you have a pneumatic source. So you have the onboard air compressor. Autopilot. Of course, it will come with autopilot standard. Yeah. So the three versions.
Impel's gonna. Alors le prix, c'est pas la version. C'est incroyable ce prix quand même. C'est pas la version en tout cas. Ça sent mal ce qui aura ce prix là. Hein. Mais faut avouer quand même que ça commence très bas. Ah, alors du coup. Ah, 70 000 dollars du coup la version 500 miles. La version 4x4, 50 000 dollars. 300 miles, ça fait 500 km, je crois. But the actual economics are even better than that, because the cost of electricity is much less than the cost of gasoline. So when you look at the actual cost of ownership here, it's you know you're paying much less for electricity than you are for gasoline. You're paying much less for maintenance. There's no oil changes, no smog checks, no nothing, none of that stuff. So your maintenance is low. Your cost of operations is low, and so it's actually comparable. C'est une boîte de conserve blindée. Gasoline truck that's $10,000 to $15,000 less. Yeah. Bah après oui, 70 000 dollars pour la version 800 km d'autonomie. Right. C'est pas si cher. Enfin, 500 miles, ça fait combien yeah. exactement? So you can order now if you would like. Merde. Tesla.com/Cybertruck. 800 km, c'est ça. Oh, I should say also, we're going to be offering rides in this all night. Yeah, don't mind the glass. So, anyway, thank you guys for coming. C'est fini. And, which, I think it's going to be a great, great party, and you'll love riding around this thing, it's great. All right, thank you. Oh, wait. We have, should we do the, we also made an ATV, so. Well, let's bring it out. Oh. Un quad. Alors là. Ah attends, c'est oui non, c'est pas un quad Tesla, c'est juste un quad normal. Enfin je sais pas. Alors voilà, on met pick-up du coup. Ouais, la rampe et tout. Nickel. Suspension qui se baisse pour aider à entrer le truc, pas mal. So you can see the truck. This is what I mean by the adaptive air suspension. Ouais. Yeah, nice work, by the way. So the adaptive air suspension, you can drop real low, and you go high on the other side. We pull this load mode. So you got a load mode. You got a built-in ramp. So you can take a ATV or dirt bike, whatever you want, and load it on the back. Yes. Oh. And it's currently plugged in and charging. Yeah. Ouais, c'est vraiment un quad Tesla. So look at the car is adjusting itself. So you can go like real tight on the freeway and you can go way high off-roading. Ils ont économisé sur la peinture, oui. Alright. Je cherche contre ton connard. Non. Ça va peut-être pas aller sauver quand on connaît quand même. Thank you for watching. Très bien, écoutez. On va juste remettre les prix vite fait là. Ah putain, ils ont coupé le devien. Enfin le stream. Allez, on va faire order now. Voir un peu. Alors, ah bah on a toutes les caractéristiques du coup.
Ils sont chiants avec leurs unités américaines là. On peut pas mettre en français là par hasard. France. Est-ce que ça va marcher avec le lien français du coup? Alors, on n'a pas les prix français évidemment. Puis aujourd'hui 100 euros. Allez, c'est que 100 euros du coup. Production fin 2021 du coup. Production Trimotor AWD Production is expected to begin in late 2022. Ok. On sait toujours pas s'il sortira en France ou pas quoi. Bon du coup on va remettre en version américaine vu que y a pas les prix là. Malheureusement il n'y a point les prix. Donc voilà, c'est ça qu'on avait vu. 70 000 dollars pour la version 3 moteurs et 4 roues motrices. Il faut quand même rajouter les 7 000 dollars de full self-driving. Alors l'autopilote en forêt, je me demande ce que ça pourrait donner par contre. Hein. Donc très très puissant hein, cette version, 2 secondes 9 ou 0 à 100. 800 km d'autonomie. La version intermédiaire, 4 secondes 5, le 0 à 100, 50 000 dollars donc. 300 miles, ça fait combien ça? Ça fait 500 km, je crois, non? Ouais, 480, ouais. Ouais, c'est 500, on va dire. Pour arrondir. Et la version la moins chère, donc 40 000 dollars. 250 miles, ça nous donne 400 km d'autonomie. D'accord. Bon, c'est l'autonomie d'une Standard Range Plus, quoi. Alors niveau batterie, difficile de se faire une idée de. On n'a pas le poids de la bête, donc c'est dommage. Je pense que celui, le premier, il aura 75 kWh de batterie. Lui, il devrait avoir 100 kWh de batterie, je pense. Et le trimotor, je dirais. Ah, bien 180 kWh minimum, quoi. Pour avoir 800 km d'autonomie, quand même. Faut bien ça. Hein. Donc voilà, écoutez, pas mal, hein, pas mal du tout. Bah, vous êtes très déçus, vous le trouvez moche la plupart. En cadeau, le quad, hein, pourquoi pas. Et ça serait bien qu'il sorte un quad électrique, juste pour le fun aussi. Bah, je le trouve pas si moche après, c'est vrai que du coup, ça change de ce qui était, de ce qui était annoncé partout. Même dans les designs, finalement. Il se rapproche pas vraiment de ce qui était. On aurait pu penser que c'était le même que celui-là, du coup, le noir là. Mais même pas quoi. Donc voilà. Il ressemble même pas à celui-là en fait. Du coup, à part l'avant un peu, mais. Ouais, bon bah écoutez. 15 minutes de perdu avec la boule pour briser les vitres de la voiture, un sketch. Ouais, bah oui, au final, bon. Oui, c'est vrai, les vitres sont vraiment cassées, donc. À quoi ça servait? Je sais pas. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bah, c'est Elon Musk, hein, faut pas chercher. Ok, bah écoutez, je pense que je vais arrêter live pour le live. Bien sympa en tout cas ce petit Tesla Pickup. Moi j'aime bien, après il a un design un peu particulier, c'est vrai. Très, très triangulaire. Mais bah c'est original, au moins on saura le reconnaître sur les routes. Hein. Il faudra qu'on ait les dimensions européennes, ça serait bien, parce que là du coup bah, on sait pas en fait. Il a donné les dimensions dans le live, mais c'était les dimensions américaines avec les. Les unités américaines, donc ça nous concerne pas du coup. Mais bon, on aura les infos dans la journée, je pense. Je referai une vidéo hein, avec les dimensions et les capas de batterie, peut-être qu'ils seront annoncés. Sur ce, voilà. Tesla va se casser la figure avec ce pick-up.
Ah, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Peut-être qu'il marchera moins que les modèles 3 et modèles S et tout, mais il y aura peut-être des acheteurs hein, quand même. Après, vous me direz quel intérêt d'avoir un pick-up qui fait de 0 à 100 en 2 secondes 9. Bon. L'autonomie de 800 km, c'est pas mal par contre. C'est quand même. Enfin, faut quand même reconnaître que niveau autonomie-prix, il est quand même mieux placé qu'une Model S 100 kWh. Hein. Donc c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Il accélère aussi fort. Et il peut tracter avec une capacité hallucinante. Bon. Après, c'est un choix à faire, évidemment. Niveau de finition, à mon avis, ce sera pas une Model S, c'est sûr. D'ailleurs, on n'a pas vu l'intérieur. Il nous a pas montré l'intérieur. C'est dommage ça. Il était trop occupé à casser les vitres du truc du coup. Pour tirer ma caravane énorme. Ah bah oui, bah là, facile quoi. Facile, facile, hein. Pour tirer des caravanes, c'est le must. Oui, alors 14 000 à LBS. Je sais pas ce que c'est à LBS en kilo. On va essayer de voir. LBS en kilo. Je sais pas à quoi ça peut correspondre. Alors 14 000 du coup. Ouais, t'as raison, ça fait 6 tonnes 3 du coup. Il peut tracter 6 tonnes 3 le gros pick-up. C'est énorme, c'est juste énorme. On va regarder combien le plus petit entre guillemets peut tracter. Contre la connexion rame pas mal là. Ouais, c'est surtout le site Tesla qui rame, je pense. Alors 7 500 LBS pour le plus petit. Ce qui nous donne la bagatelle de 3 tonnes 4 quand même de capacité de remorquage pour le plus petit. Et celui-là du coup 10 000. Sachant que c'est 10 000 plus, hein, donc ça peut être un peu plus. 4 tonnes 5 pour la version intermédiaire. Ce qui est déjà pas mal. Il ressemble à un avion américain, je trouve plus. Ah peut-être. Ouais. Bah c'est aussi je pense pour l'autonomie qu'ils ont fait ce design là. Justement pour qu'il y ait plus d'efficience. Parce que s'ils avaient fait un design à la Ford F-150 par exemple, un pick-up normal, bah il aurait pas eu 800 km d'autonomie quoi. Il aurait peut-être eu 600 quoi. Ou c'est 650 je sais pas. C'est je pense aussi pour ça qu'ils ont fait ça comme ça. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour le live. Je vais aller me recoucher moi. Ça fait déjà 47 minutes de live, incroyable. À moins que vous ayez d'autres questions de dernière minute, mais... Donc de toute façon, ouais, on en saura plus, hein, je pense, dans la journée, concernant ces mensurations notamment. Je referai une vidéo, évidemment, pour vous parler de ce pick-up. Tesla. Bon allez, je vais m'arrêter là, moi. Je vous souhaite de belles nuits à vous. Et à plus tard dans la journée pour d'autres vidéos concernant ce Tesla Pickup. Allez, ciao tout le monde.